va peut-être pas les faire. Hein. J'avoue que bon, il y en a un petit peu beaucoup quand même. Hein. Mais ouais. Et tu vois les gens qui ont rien à dire mais qui adorent le live. Mais oui, mais les gens de l'ombre, ça... Dans mon cœur, les gens de l'ombre. Ah, voilà, on a un petit village en face. Je pense que c'est un village, non? Ou alors c'est une maison toute seule, ce qui est un peu bizarre. Les gens de l'ombre, sur le chat, on vous kiffe. On vous aime. Ah, j'ai l'impression que c'est une maison qui est toute seule. C'est bizarre. Je pense que dans ton monde, il pleut via le système de saison dans le mode. Ah, peut-être. Il y a un système de saison? Non mais ok, il y a vraiment un village là-bas en fait. Ok, il y a vraiment un village. Mais j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est une maison abandonnée ça. Regardez. Ça, c'est incroyable. Il y a même des maisons abandonnées dans le mode pack. Est-ce qu'on a pas des petits coffres ou des trucs comme ça? Après, je pense que on va pas utiliser une maison abandonnée quand même. On va utiliser une vraie maison, non? On va plutôt déloger quelqu'un. Comme l'état avec les JO, tu vois. On va mettre quelqu'un de dehors chez soi. De chez soi et on va réquisitionner sa maison, je pense. On va faire pareil, hein, à mon avis. Par contre, il y a une forge là-haut, là. Oh, il y a deux forges! C'est normal, ça? Alors là? Oh, alors là? Ah non, mais alors là? On est tranquille, hein. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on récupère, les gars, là? Qu'est-ce qu'on fait, là? On appelle ça la technique Crous, ouais, bah écoutez. Bah, je vais récupérer une petite épée, par contre, le reste, bah, je vais le laisser, hein. Écoutez, hein. C'est pas à moi, non, non, mais pas ces mobs là, pas ces mobs là, je veux plus jamais les voir de ma vie là. Par contre, il y a une deuxième forge et ça, ça m'intéresse. Hein. La deuxième forge, ça pour le coup, ça m'intéresse un petit peu plus. Hein. On va aller voir ça, ouais. On va aller voir ça, hein. Oh, mais il y a plein de choses en plus là, regardez-moi tout ça là. Bonjour, est-ce que je suis le bienvenu dans vos villages? Bonjour Boris, enchanté Boris. Adèle, Salina, bonjour. Bonjour, bonjour, Verny. T'es Verny d'avoir ce nom-là, toi. Ça cuisine quoi, là? Je peux venir, moi aussi, cuisiner, là? Moi aussi, je peux cuisiner, ou c'est que... Ouais, il y avait un Waste Nomad. Attendez, je me balade un peu dans le village. Oh, c'est stylé qu'ils aient tous des noms, les personnages. Santo, ouais, lui, ça se voit, il rigole pas, hein, Santo, hein. Liz, Nikita, ok. Bonjour à vous. Bonjour. Non mais on se fait nos nouveaux amis. On essaie de connaître un petit peu nos nouveaux amis. Ah mais du coup c'était pas une forge en fait. C'était un... Mais c'est quoi en fait hein? C'est quoi en fait? Enfin comment on appelle ces sortes de bâtiments du coup? Oh mais alors là, c'est quoi toute cette bouffe là? C'est quoi toute cette bouffe hein? C'est quoi tout ça là? Ouais, une sorte de restaurant, ouais c'est ça. Après il est petit leur restaurant, il y a que deux chaises quand même hein. Ah c'est ça, oui c'est un restaurant. Puis c'est un restaurant quand même avec une cuisine ouverte hein, quand même hein. C'est une sorte ouais. Puis et ils ont quand même deux restaurants l'un en face de l'autre hein. C'est... enfin... Je suis désolé mais je crois qu'on a Verny, voilà. On a le restaurant de Verny d'un côté. Et juste en face on a la concurrence qui arrive. Ah ouais, Liz et Verny qui se font la guerre là. Ouais. Il y a un petit peu de concurrence. Bon on va manger chez qui là? Chez qui allons-nous manger? Non mais vraiment pour de vrai c'est vraiment écrit ça en plus. Non mais c'est incroyable. Non c'est génial, j'adore. Non mais il y en a vraiment deux, non mais c'est fou. Ouais Liz, ouais. Verny je suis désolé mais... Fais voir tu me proposes quoi? Ouais. Et, attends parce que Verny nous propose des oignons, moi il faut savoir que j'aime pas les oignons. Honnêtement moi j'aime pas les oignons. Et toi tu nous proposes quoi? Bacon and eggs. Non mais attends parce que moi je vous propose un truc. Là on est invité chez eux. On va là, on va les raqueter un petit peu là, vite fait là. On va poser, voilà, je leur échange des émeraudes contre quelques graines. Moi je pense que c'est équitable. Liz. Hop là. Et voilà. Quelques bacon and egg. Voilà ça régale, grâce à Liz. On va pouvoir manger bien comme il faut. Et bon attends je vais voir s'il y a dans les autres coffres, il n'y a pas d'autres maisons ou quelque chose comme ça là. Enfin pas d'autres, oula, dans les autres coffres il n'y a pas d'autres maisons. Alors ça c'est vraiment quelque chose ça. Vous êtes content vous? Pourquoi vous êtes content comme ça là? Et vous, qu'est-ce que vous me vendez là? Bon, lui, il vend des fleurs là, c'est Ponce en fait. C'est Ponce là. Fausto, voilà, c'est Ponce. Il nous vend des fleurs. Hein. Des fleurs contre des émeraudes, c'est tout ce qu'il cherche en fait. Il cherche juste des fleurs. Pas d'autres coffres dans le village malheureusement. Regarde le craft du bacon and egg. Oh, avec des œufs et tout, mais c'est génial. Mais c'est vraiment Minecraft, mais en mieux quoi. Ah, et ça, c'est un TP du coup. Oh, oui, ça, c'est un TP. Les waystones, est-ce qu'on peut crafter des waystones? Ça peut être carrément sympa en vrai. On peut crafter des waystones, par contre du coup il faut une warpstone. Et pour ça il faut de l'améthyste, des underpearls et des émeraudes. Ça peut être sympa plus tard quand on aura fait notre base.
D'où le nom Better Minecraft. Ah bah oui, non mais c'est incroyable hein, vraiment. Bon les amis, je pense qu'en vrai on va s'installer ici là. Le temps de... En plus regardez, hop. Voilà, est-ce qu'on a quelque chose au-dessus ou pas? On sait jamais, peut-être qu'ils ont rendu la chose plus intéressante. Eh bien non, c'est toujours aussi nul. Bon je pense qu'on va s'installer ici. Oh regardez cette petite maison qui est un petit peu en deçà du village là. On va peut-être se mettre par ici je pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite ici ou c'est... Non, personne n'habite là. Bah écoutez, je réquisitionne cette maison qui est désormais la mienne. Hop là! Cette maison est désormais la mienne et on va s'installer ici en légende. Alors, vous savez quoi? Je vais leur dire au PNJ que c'est chez moi parce que j'ai pas envie qu'il y en ait un qui vienne comme ça prendre ma maison en fait. Donc je vais le préciser. Chez moi. Voilà, comme ça au moins, ils viendront pas. Ils vont voir c'est chez moi, ils vont pas venir. Le studio pas ouf. Après mec écoute, moi je pense que notre première habitation dans la vie, ça passe tous forcément par un petit studio comme ça. Hein. Combien il y en a dans le chat là qui habitent dans un studio aussi petit que ça? Avec exactement, enfin je veux dire là on a vraiment, voilà. On a 9 mètres carrés là, c'est pas... Non, attends c'est quoi? Non c'est 3 mètres carrés. Ouais c'est à Paris, ouais c'est ça, c'est tout petit ouais. Vraiment c'est... C'est pas beaucoup là, même pas c'est... On a... Non c'est... c'est... On a un 3 blocs... 3 blocs sur 3 blocs là. 3 blocs carrés. Ouais c'est ça, on a 9 blocs carrés là, on a... C'est sympa non? Le petit appartement de 9 blocs carrés, on a un petit appartement étudiant. Normalement après vous êtes habitué vous à pouvoir vivre là-dedans. Donc du coup ce qu'on fait c'est regarder. On met, hop, là notre petit établi. D'ailleurs je crois qu'on en a un dehors. Donc voilà, plutôt que de polluer la nature. Hop, voilà, regardez. Non mais moi je suis sûr qu'on peut réussir à vivre là-dedans. C'est pas non plus incroyable. Mais écoutez, ça fait le taf pour le début. Bon par contre j'arrive pas à cliquer, ça c'est une cata. Hop, voilà. J'ai encore appuyé sur F1 sans le vouloir. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Shaders Reloaded, ok, bah très bien. Voilà, c'est chez moi. Bon ça paye pas de mine, hein. Mais bon écoutez, c'est toujours mieux que rien, on va pas se mentir. On va mettre toute la bouffe là-dedans, tous les trucs qu'on a récoltés. En fait je me rends compte que j'ai quasiment que de la nourriture sur moi, c'est terrible. On va mettre ça aussi, les items de mobs, vous savez quoi, on va les mettre là pour l'instant. Voilà, et ben ça va mieux quand même là, regardez. Ça va mieux ce début là. C'est plus sympa. Ok, et on va ajouter un petit waypoint, ça. On va faire... chez moi. Chez moi. Et je peux pas changer la couleur? Ok. Et bien ce sera chez moi. Et ben ça tombe bien puisqu'on va inaugurer. On va inaugurer ça en dormant dans le lit pour cette première fois. Le spawner. Mais ouais, mais attendez, comment il fonctionne le spawner? C'est ça le truc. Parce que là j'ai le spawner, mais en vrai... Ça aurait pu... je pense qu'on peut le recharger avec un mob ou quelque chose comme ça, non? Genre éventuellement là, je pense qu'il faut que je le purifie ou... Comment je peux faire par exemple pour faire en sorte que ça, par exemple, ça se transforme en spawner de vaches ou de cochons ou quelque chose comme ça? Je pense que c'est possible, à mon avis. Je pense, non? Vraiment. Mais ouais, il manque des punaises de lit et des cafards pour un RP Cruise. Oula, mais attendez, mais là c'est... Ah mais là c'est pas... Ouais là c'est compliqué là. Ah ouais là mon gars là, ouais c'est chaud hein. Faut mettre chez nous dans la pancarte. Pardon, oui pardon. Excusez-moi, oh là là mais je vous ai oublié. Ah non attendez. C'était pour voir si vous suiviez bien sûr. Comment on fait? Edit. Chez nous, pardon. Voilà. On habite tous ici. Bah c'est bien parce que du coup on a tous une petite communauté dans un 9 bloc carré. Bon, hein. La structure avec le feu bleu. Ok ouais, donc il faut que je crafte la structure avec le feu bleu pour du coup purifier mon spawner. Bon c'est pas demain la veille qu'on va réussir à faire ça quoi. Bon l'avantage en vrai c'est que du coup on a tout posé dans le coffre là. Et puis surtout ce qui est cool c'est que bah du coup on a un point de TP. Donc on pourra s'y re-TP à n'importe quel moment. Et ça, on va pas se mentir, c'est quand même plutôt sympa. Bon alors qu'est-ce qu'on peut faire? On a des quêtes éventuellement qu'on pourrait commencer. Parce que du coup là je pourrais faire un raid mais je pense que ça va être compliqué. Dark Oak Forest, ok. Craft backpack, il faudrait vraiment que je trouve de quoi crafter un backpack, hein. Genre des lapins ou des trucs comme ça. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres mobs éventuellement dans le jeu là qui peuvent me dropper des pattes de lapin ou des trucs comme ça éventuellement? Parce que honnêtement si vous savez ce qui peut m'en dropper, ça peut être sympa de voir pour en récupérer éventuellement. Tu stream jusqu'à quelle heure? Je pense que je vais faire jusqu'à minuit ce soir tranquillement. Enfin un petit live ce soir mais bon. Merci pour ces euros. Tant mieux qu'on fasse des petits streams parce que c'est pas comme si bientôt vous allez avoir beaucoup de gros lives donc hein. À quoi la crémaillère? Mais je vous invite tous. Allez, on y va tous là. On va tous faire notre crémaillère là. Dans cette petite maison. Vous apportez tous quelque chose par contre. Hein. En fait, je vais continuer à me balader, je pense, un petit peu pour essayer de trouver d'autres petites. Oh!
Il y a une île volante. C'est incroyable. En fait, j'ai envie de voir s'il n'y a pas d'autres petites... Pardon. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres... C'est moi, je me fais agresser par les mouettes là maintenant là. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi les mouettes elles m'agressent là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Une petite île céleste. Oh, j'ai envie d'aller voir. Les pattes de lapin, ça se loot sur un chameau. Ok, c'est ce que je me disais, parfait. Non mais ça, c'est cool parce que ça me paraissait logique en plus, donc c'est sympa. Par contre l'île, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a en haut. Mais comment on va faire pour y aller là sans clamser là? Parce que moi je monte là-haut. Enfin, déjà comment je monte tout court? Mais il me faut des élytras là je pense hein. Il me faut des élytras en fait. Je pense qu'on ira quand on aura des élytras parce que les îles volantes comme ça. En fait, ça pourrait être un bon bail d'essayer d'aller avancer dans l'end rapidement pour avoir des élytras et se balader après, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement. Honnêtement, ça pourrait être plus une dinguerie en vrai. Par contre, c'est vraiment magnifique, hein. Je suis désolé, mais le jeu, je le trouve vraiment très très beau. Hein. C'est. Enfin, le modpack avec les. Regardez-moi ces petits biomes un peu là. Oh, c'est beau, j'ai pas l'impression de jouer à Minecraft. En fait, je suis trop trop bien là. Speedrun le dragon en vrai. Bah, un peu le truc, c'est que du coup, faut quand même du stuff à mon avis. Parce que déjà, il faut passer par le Nether. Donc bon, et je pense que le Nether, c'est quand même assez compliqué, je pense. À mon avis, je pense que. Oh là. Je pense que l'Overworld, ça suffit avec le full fer. Mais dans le Nether, à mon avis, il va nous falloir un bon full diam, ça, je pense. Donc, oh, ça sert à quoi ça? Un petit puits naturel comme ça? Ok. C'est marrant qu'il y ait des structures un peu ajoutées comme ça naturellement. C'est fou. Bon après c'est vrai que le modpack là il... Ben, c'est pas il galère un peu mais c'est quoi ouais, forcément ça prend un petit peu plus mais... Par contre en vrai vous savez quoi? Je pense que le prochain modpack, vous me direz ce que vous en pensez le chat si jamais ça vous intéresse. Mais le prochain modpack qu'on testera, un peu un modpack comme ça, j'aimerais bien le faire en serveur multi avec ma communauté. Entre guillemets, un serveur sub avec ma communauté. Qu'est-ce que vous en pensez? Genre on met un serveur bah, à disposition de la commu et puis... On se fait un sorte de holicube mais tous ensemble, vous voyez? Ça serait trop bien. Un holicube tous ensemble. En vrai trop chaud de jouer. Mais carrément de ouf hein. Ça serait trop bien je pense. Là en même temps, tu vois en fait c'est quand je vois ce genre de choses, quand je vois Better Minecraft là, je me dis ça, je trouve qu'en fait c'est plus amusant de jouer à Minecraft comme ça, mais que jouer à Minecraft en vanilla. Et c'est normal, ça paraît logique parce que du coup c'est Better Minecraft ça s'appelle. Donc c'est logique. Bien sûr, mais du coup ça veut dire que bah un serveur comme par exemple un Holycube avec un modpack comme ça, mais il y aurait tellement de choses à faire, il y aurait tellement de belles choses à faire, ça serait fou en fait, ça serait fou, vraiment. Moi je suis carrément joué, le coffre, comment ça le coffre? Il y avait un coffre ou ça? Quel coffre? De quoi vous parlez? Quel coffre? J'ai loupé un coffre? Tu nous frustres à stepper le coffre, quel coffre? De quoi? Il y avait un coffre quelque part pour de vrai? J'ai même pas fait gaffe hein. Faudrait faire comme Modded hein. Je sais pas trop comment ça fait Modded hein. Ça va te focus au début pour gâcher le jeu. Oh non mais non mais... Mais on fera entre guillemets pas un tri mais bon... voilà on verra comment on fait quoi. Ah mais... Ah ça là? C'est pas ça le truc que vous vouliez dire non? Attends... Ah ça là-bas? Du coup? Ah mais oui c'est vrai! C'est vrai, j'avais oublié qu'en dessous, il y avait un coffre, effectivement. Sweeping Edge 1, Looting 2. Bon, l'avantage, c'est qu'on a récupéré une Looting 2, mais elle est plus mending, celle-là. Bon, c'est dommage. En vrai, c'est dommage. Si j'avais pas été bête, si j'avais gardé l'autre, bah, on aurait été bien, quoi. Mais bon, j'ai été un peu bête, malheureusement. Oh, y... Hein? What? Pourquoi ça a cassé l'arbre d'un coup? Pourquoi ça a cassé l'arbre d'un coup? Pourquoi j'ai l'impression que des fois ça casse l'arbre d'un coup et des fois non? Bah... Pourquoi ça fait ça? C'est un sort de mode qui fait ça ou comment ça se passe hein? Comment ça se passe? Mince... Mince, je voulais pas acheter ça. Oh, une branche d'arbre! Comme dans Zelda! Incroyable! Oui, c'est un mode. Et du coup, c'est pas tout le temps quoi, c'est de temps en temps on va dire. Ok, c'est cool en vrai, c'est cool. Moi je voulais faire, les amis, je voulais faire un bateau. Parce que j'ai envie d'aller voir cette petite structure qui est là-bas là. J'ai envie de faire de l'exploration aujourd'hui là. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai juste envie d'explorer. Ah par contre ça utilise toute la durabilité du coup de la hache. Genre par exemple, si là ça casse mon arbre entièrement, ça va utiliser... Ouais voilà, ça utilise comme si j'avais cassé tous les blocs. Ça utilise 5% de durabilité au lieu de 1. Ok. Ça c'est bien fait par contre. C'est pas trop cheaté du coup. Ok les amis, on va aller voir. Ça dépend si tu sneak ou pas. Bah non mais tout à l'heure je sneakais et ça faisait rien.
Bon alors, c'est quoi ici? C'est quoi ce petit truc là? Jaws. Oh là. Un typhon? C'est joli, mais c'est quoi? Cette structure, elle est bien. Ok, et du coup, ça fait quoi? Oh, c'est tellement beau quand t'es sous l'eau. Oh, c'est magnifique. Quand t'es sous l'eau comme ça, là, c'est... C'est tellement beau. Ça sert à quoi, cette structure, les amis? Il y a des sortes de coffres, des trucs comme ça à trouver, peut-être? Oh, c'est joli, par contre, hein. C'est très beau comme structure. C'est un sorte de squelette, on dirait, non? Ouais, c'est ça, en fait. On dirait un sorte de fossile, en fait. Hein. Mais c'est un fossile, un sorte de squelette de mob aquatique, non? C'est un peu ça, non? C'est un sorte de, ouais, c'est un sorte de squelette d'un ancien mob. Et du coup, attends, pour voir si on va... Si on va vers la tête, pour voir. Attends, mais j'espère qu'on va pas avoir des mobs comme ça, par contre, là, dans le jeu, là, du coup. Ça me fait peur, là. Ok, y a pas de tête, en fait. C'est vraiment juste le corps, quoi. Y a pas de tête, hein. Ah si, attendez, y a peut-être un truc en dessous, là. Oh là. Ah, mais il y est dans le mode pack du QSMP, ça. Il y est dans le mode pack du QSMP. Ce mob. Attends, mais il va me casser la gueule ou pas, lui? Il me fume ou pas? Non mais j'ai trop peur. J'ai trop peur que d'un coup il décide de m'attaquer, on sait pas pourquoi. Un cachalot gentil. Bah j'espère hein. Ne le frappe surtout pas, ok. Bah c'est bien que vous me le disiez. Parce que ça sent le mob qui OS ça. Ça sent le mob qui one shot. Hein. Ok. Bon, vous savez quoi? On va se balader. On va explorer hein. Ça one shot, oui oui j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui m'avaient dit que ça one shotait, ouais. Non non c'est clair hein. C'est clair, oui oui non si ça one shot on va éviter, ouais ouais. Je suis un peu chaud d'éviter ça, ouais. Il est adorable ce modpack hein. Enfin quand je dis adorable c'est très chill je trouve quand tu joues à ça. Tu vois tu redécouvres le jeu, j'adore. Je trouve ça trop bien. Et ça c'est quoi? Ça regarde dans des sortes de biomes à l'intérieur là, regardez. Vous avez vu l'intérieur de... Enfin l'océan là, on a l'impression qu'il y a des sortes de biomes en dessous, non? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est juste, ouais, de... Oh, Prismarine Cluster Block, ok. Avec les grandes failles et tout ça. Oh, c'est sympa, en vrai. Des sortes de coraux un peu de partout, là. Vraiment cool, hein, pour le coup, tout ça. Bon, bah écoutez, les amis, il est temps de partir à l'inverse de chez nous. On se balade. Ils sont trop stylés, les mods. Non, ils sont vraiment magnifiques, hein. Il y avait un L, go speedrun. On peut aller Nether, là, les amis. On peut aller Nether. On a trouvé le L. Le fameux L, J'espère qu'il y aura un event où on va réavoir du speedrun par contre bientôt, hein, parce que bon... En vrai, pendant la Cité des Nations, les amis, un event speedrun pendant la Cité des Nations. Oh là 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 là. Il y a des dragons dans Ice and Fire. Oh, mais moi ça me plaît ça. Il y a des dragons dans le mode pack, c'est cool. Par contre là... Encore un cachalot, ok. Dites-moi les gars, est-ce qu'il y a des mobs aquatiques qui éventuellement nous attaqueraient la nuit ou quelque chose comme ça? Bon, pas la nuit, je pense pas, mais... Est-ce qu'éventuellement, voilà, il y aurait des animaux, genre des requins ou des trucs comme ça qui nous sauteraient dessus? Merci Clunen, Clunin, pardon, merci beaucoup. Il y a des serpents des mers dans l'eau. Ok, donc on va peut-être se barrer, quoi. Bon, de toute façon, regardez. Terre en vue. Bon, surtout lag en vue, pour le coup, là. Terre en vue. Et, mais attends, on est en Bretagne ou quoi, là? Pourquoi il y a des menhirs de partout, là? Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. On a débarqué en France, les amis. Du côté de la Bretagne. Bah... Ok, par contre, pourquoi il y a deux... Oh, il y a des petits coquillages de partout. Alors moi, je vais en profiter, par contre, si vous me permettez, on va dormir. Hein. Invoque pas les Bretons. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, 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 non, non, je... Bon, bon, on les adore, les Bretons. Nos amis Bretons, on les adore. Par contre, vous avez vu que le bouclier, il a été nerfé, regardez. Quand je me prends une flèche, vous avez vu, ça active directement le cooldown de mon bouclier. Il a été nerfé, le bouclier. Bon, c'est une bonne chose. C'est une plutôt bonne chose. Mais pourquoi il y a des menhirs de partout comme ça là qui sortent du sol là? Qu'est-ce que... Eh ben, c'est quoi comme type de biome? Ça fait voir, ça doit être un biome particulier, non? Stony Shore. Ok, Stony Shore. Très bien. Les amis, il y a un lac de lave. Est-ce qu'on va pouvoir aller dans le Nether? Ensemble les Bretons. Mais Ice and Fire n'est pas dans Better Minecraft. Ah bah ben, je sais pas, c'est des gens qui disent ça. Bref, moi je ne sais pas. Hein.
Je vous avoue que je ne sais pas. Ah, des petits panneaux. 1000 blocs, 1000 blocs. Bon bah ça c'est cool parce que c'est vraiment de là d'où on vient. Surtout qu'en plus je suppose, oui voilà, je suppose que c'est littéralement le village qu'on a trouvé. Donc c'est vraiment, merci de l'info pour le coup, ça nous aide vraiment bien. Les panneaux c'est cool. Mais là les infos qui nous sont données sont pas très... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un champignon gigantesque là? Oh, j'ai envie de faire le tour de tous les biomes de la map les gars. J'ai envie de faire le tour de tous les biomes de la map. Regardez-moi ça, comment ça a l'air incroyable. Mais non mais mec, hein. Mais en vrai, on fait une cité sur Better Minecraft, hein, en vrai, la prochaine fois. Hein. Non mais mec. Hein. Non mais la prochaine cité qu'on fait, qu'on organisera, bon pas celle qui arrive là parce que c'est un peu tard, mais la prochaine cité qu'on fait, on fait du Better Minecraft. Hein. Alors là... Ah bah alors là... Oh! Ah ça c'est du stalagmite hein, mon gars. Merci pour ces euros de plaisir. Ah ouais là c'est... L'idée de fou. Non mais mec, c'est ce mode pack qui est incroyable. Mais j'ai même plus envie de jouer en Vanilla là. Pour faire une survie, tu vas sur ce mode pack quoi. C'est incroyable. Hein. Il est payant le mode pack. Mais pas du tout. Mais non mais pas du tout en plus. Hein. Top le live, j'adore le concept, tu gères. Merci infiniment, c'est gentil Diotex. Hein. Mais même pas du tout. Hein. C'est... Le mode pack il est pas du tout payant. Par contre je vois un spawner là-bas. Ça me plaît pas trop ça. Il y a beaucoup de mobs surtout. J'ai l'impression là, non? Ah, il y a quelques mobs en dessous là. Oula, ouais. Mais il doit y avoir... Eh ouais, il y a des coffres là-bas. Il y a des coffres. Hein. En vrai, j'ai le temps de le péter, je pense. Ok, parfait. Est-ce que j'ai le temps de péter tous les squelettes et tout ça, vous pensez maintenant là? En vrai. Oh, oh sa mère, les dégâts! Ouf. Le seul problème du modpack, il y a certaines structures qui sont OP. Oui, mais après, en soi, bah... Ça reste du farm, etc. Donc voilà. Mais pourquoi pas. En vrai, je me dis une cité sur Minecraft modée comme ça. Ah, par contre, comment je bute les mobs là? Ouais, la flèche de force 2 là, elle a piqué un peu. Hein. Déjà, le fait qu'il y ait des flèches de force, déjà, ça annonce la couleur déjà pour commencer. Bon, il faut que je bute les mobs. Mais le problème, c'est que je sais pas s'il y a d'autres spawners ou si c'était le seul en fait. Parce que j'ai envie d'aller chercher le coffre. Hein. Je veux pas tuer le zombie pour voir les dégâts, juste comme ça là. Ah c'est bon, voilà parfait. Et d'un... Je pense que j'ai les capacités pour aller faire... Oh il m'a droppé, je crois que c'est un carquois ça, non? Ou quelque chose comme ça là. Oui je sais, j'ai droppé l'épée, je sais. Vous inquiétez pas, ne me spammez pas dans le chat. Ne me dites surtout pas que j'ai droppé mon épée. Hein. Il est cool le mode pack, ouais il est carrément sympa. Ne me dites surtout pas que j'ai droppé mon épée parce que ça va pas le faire. Hein. Ok, et là du coup... Mais je peux pas les ranger directement dedans comme ça? Comment je fais pour le... Merci pour le mettre dedans. Comment je mets des choses dedans, en fait? Ok, c'est clic droit. En fait, faut cliquer dessus et faire clic droit après. Ok, d'accord. Mais attends, mais on peut mettre n'importe quoi dedans? Non, c'est que les flèches, évidemment. Bah oui, c'est les carquois, donc on peut mettre que des flèches. Bon, par contre, ça c'est une bonne chose. Qu'on ait récupéré un carquois, ça me fait gagner de la place. Ça, c'est cool. Bon, alors... Oh, what the fuck, j'avais droppé mes flèches, les gars. Mais what the fuck, vous auriez pu me le dire, quand même. Hein. Enfin, j'avais droppé mon épée, je veux dire. Vous auriez pu me le dire hein, que j'avais droppé l'épée, quand même. Ça aurait pu être cool. Hein. En vrai, les amis, vous pensez que je fais un disque, là? Je fais un disque. Regardez, vous êtes prêts? Je fais un disque. C'est quoi ce bruit que j'ai entendu, là? Ok, maintenant il est assez lourd en vie. Monsieur le squeleton là. Attendez, on va faire un disque pour vous. Pour vous, je fais un disque, les amis. J'ai trop peur des dégâts que ça va me mettre. Et voilà. Et voilà les gars. Celui-là, il est pour vous. Il est pour vous celui-là. Il est pour vous ce disque, les gars. Il est pour vous celui-là. Regardez-moi ça. On a eu Wait. Il est pour vous, je vous l'offre. Bon par contre le souci c'est qu'il y a trop de mobs en fait. Et il y a surtout pas de lumière. Donc c'est pénible. Bon je vais tenter une mission suicide un peu. Hop là, on va éclairer un petit peu tout. Je sais vraiment pas si c'est une bonne idée d'aller faire cet endroit en premier mais Mais bon. Le truc c'est que vu qu'il y a un coffre, moi ça m'intéresse en fait, c'est ça le souci. La vie qu'il a ce machin. Tu veux pas tirer sur le bison mec? Tire sur le bison frérot. Tire sur le bison, vas-y. Tire sur le bison, j'ai juste envie de voir ça. Je ne vis que pour ça même. Hein. Tire sur le bison, squelette. Hein. Je veux voir ça. C'est des flèches spéciales ou pas qui m'a mis? Non. Oh vas-y. Oh mon frérot, vas-y.
Bon frérot, vas-y. Bon bah ok, bon, le bison avait accepté son destin visiblement, mais... Est-ce qu'il y a un emplacement pour le carquois? Je sais pas du tout. Je pense pas, hein, je pense pas qu'il y ait... Ah, quoique si, peut-être en soi dans le dos, non? Ah, bien vu! Oh là 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 là, mais trop stylé! Trop stylé, mais c'est bien comme ça, ça m'apprend le modpack, c'est bien. Bon, on finit de jouer là. Ici on est là pour récupérer le coffre là, ça suffit les bêtises. Ouais, bon c'est bon, un demi-cœur. Hein. Hein, ça suffit les conneries quand même. Hein, pour qui tu nous prends là? Attends, ça a de la vie ce truc. Ok, parfait. Bon, lui il a un arc enchanté, mais on est bon. Ok les gars, parfait. Normalement on a tout fait, on peut aller chercher notre dû désormais. Alors, j'espère qu'on a une bonne récompense, hein, par contre, faut pas abuser. Ça va, oui ça va super mon cher Melmo. Ça va et toi? Comment tu vas toi? Ok, il y avait un mob juste au-dessus par contre. Oh, c'est sympa quand même cet endroit. Oh, c'est quoi ça? C'est qui ce mec? MHF Slime Head, hein, c'est qui? C'est qui le frérot là en fait là? Qui le connaît? Une corde? Merci pour le une Golden Head? Est-ce qu'on prendrait pas les ropes en vrai? Moi je pense qu'on peut prendre les ropes. Ça peut être intéressant, je pense. On va jeter tous les items qui servent à rien. Ça doit forcément servir à quelque chose, non? Ça doit 100% servir à quelque chose, je pense. Non? Ouais, super. Une tête de slime, quoi. Ouais, la tête du créateur du mode, je pense. Ouais. Mais fais un backpack. Mais et je peux pas, mec. Faire un backpack. J'aimerais bien, mais regarde. J'ai pas assez pour faire. À moins qu'il y ait un autre craft, hein, mais regarde. J'ai pas de rabbit hide. J'ai pas de... J'ai pas de peau de lapin en fait. J'aimerais bien, mais je peux pas en faire en fait. Moi j'attends que ça depuis tout à l'heure. Là j'ai reçu un gland. Bon, je vais déposer le gland dans le truc quand même. J'étais sûr que tu pouvais. Bah non, mais c'est ce que je cherche à faire depuis tout à l'heure, mais je peux pas. Moi aussi j'ai envie de faire ça depuis tout à l'heure. Parce qu'en même temps ça me débloquerait une quête. Sauf que je crois que depuis le début j'ai pas rencontré de lapin. Vous me direz si je me trompe, mais il me semble que depuis le début j'ai pas de lapin. Fais-en avec du cuir. Avec du cuir? Ça marche avec le cuir aussi? Non, ça marche pas, hein, regarde. Hein. C'est que avec. C'est qu'avec ça. Hein. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, on va continuer de se balader un petit peu. On va continuer d'avancer un petit peu pour essayer de trouver d'autres structures. Pour l'instant, j'apprécie énormément le modpack, hein, pour le coup. Il y avait quoi dans la forêt champignon? Il y avait juste une pomme d'or, mais rien de vraiment intéressant pour le coup. Voilà, mais il faudrait que j'arrive à trouver un petit désert ou quelque chose comme ça. Oh, le petit canard! Le petit coin-coin! Le petit duck! Hein? Trop stylé, j'aime trop le modpack, je trouve ça cool. Les petits canards, cherche backpack dans la barre de recherche de ton inventaire. Bah oui, mais c'est ce que j'ai déjà fait. Mais du coup, pour avoir un backpack, il me faut des pots de lapin. Et les pots de lapin, eh ben pour ça, il faut que je trouve des lapins, les gars. Voilà, c'est ça. Hein. T'as activé les TP de Waypoint? Oui, j'ai activé, oui. Enfin, tu veux dire du mode? Non, je me TP pas avec je me TP pas comme ça. Mais c'est pas grave, on retrouvera un autre village et on se re-TP à notre premier village, c'est pas très grave. Oh, par contre, quand la map se génère, wow, ça galère. Hein. Bon, en même temps, regardez, il y a une structure qui arrive là. Enfin, pourquoi il y a un slime là? Ça me fait peur là. Pourquoi il y a un méga slime? Ah, mais on est à 100% de mémoire. Il faut que je redémarre le jeu, mesdames et messieurs. On est à 100% de mémoire. Je redémarre le jeu pour que la RAM se reset. Hein. Attendez. Hop là. Bon. Bah pour l'instant, le modpack est super stylé. Merci beaucoup Fuji pour les 20 mois de sub. Merci Tyrose pour les 14 mois de sub. Merci Dark Soul. C'est quoi le but de l'événement? Bah, c'est juste de faire le modpack et d'essayer de survivre en mode hardcore. Là, on est en hardcore. Donc, si jamais je meurs, eh bien la sauvegarde est supprimée. Et donc, ça serait carrément dommage. Hein, on va pas se mentir. Non, mais franchement, c'est méga stylé pour l'instant. C'est super cool. Je m'amuse. C'est vraiment sympa, quoi. Ouais. Ça veut dire quoi 100% mémoire? En gros, quand tu joues à Minecraft ou même à d'autres jeux, en gros, surtout Minecraft, tu alloues de la RAM à ton jeu, des gigas de RAM. Et au bout d'un moment, bah, Minecraft, ça bouffe de la RAM justement. À force de générer, etc., il a plus de gigas de RAM disponible. Et c'est pour ça que ça frisait là un petit peu. Donc j'ai redémarré le jeu pour être sûr, mais voilà, ça se redémarre, ne vous inquiétez pas. C'est bon. Tu vas faire une vidéo sur ça? Oui, il y a moyen, oui, je pense, ouais. Ouais, carrément. T'as alloué combien? Là, j'ai mis 4 gigas, mais il faudrait peut-être que je mette un peu plus. Mais en fait, de base, le truc met 4 gigas de RAM. En vrai, 4 gigas, si tu redémarres toutes les 2 heures, ça va, hein, tu vois, ça passe. Hein. Donc voilà, ce sera une vidéo. Oui, je pense que ce sera une vidéo. Oui, tout à fait, ouais. Peut-être pas tout de suite, mais je pense qu'on fera une grosse vidéo pour raconter l'intégralité de notre parcours, de notre aventure du début à la fin, je pense. Ouais, ça pourrait être cool, honnêtement.
Ça pourrait être cool. Ouais, mais oui, j'ai un shader, effectivement, j'ai un shader, donc ça aide pas beaucoup, hein, effectivement, ouais. Est-ce que tu as la liste des mods? Tout à fait, bah tiens, pendant que le jeu se démarre, attends, je vais chercher à te montrer un petit peu. Voilà, la liste des mods est ici. Donc il y en a énormément, tu peux aller voir sur la page sinon de BetterMC. Il y en a énormément, pour le coup, il y en a 250, parce que du coup, t'as des mods aussi d'optimisation, au total, hein. Bon, 240 vrais mods et essentiellement après des mods d'optimisation. Mais voilà, t'as énormément de mods qui sont là. Et pour la liste des modes, je te conseille d'aller voir vraiment sur tu tapes Better Minecraft et tu vas tomber dessus rapidement quoi. Comme pour l'aventure hardcore qui est toujours pas sortie. Ouais mais j'ai toujours les records donc t'en fais pas Dark Souls. Mais en fait le truc c'est que l'aventure hardcore j'ai pas de... Enfin j'ai pas comment dire de... J'ai pas vraiment d'idée de ce que je peux faire en vidéo dessus. Alors que là je sais ce que je vais faire et puis même là j'ai des choses à raconter etc. Donc c'est cool quoi. Donc voilà, merci, vive la raclette, bien le bonsoir, merci beaucoup pour les 26 mois de sub. Ça n'a rien à voir, mais c'est quand l'autre cité? Quelle autre cité? La prochaine qu'on fait là? Eh ben écoute, je ne peux pas vous donner les dates pour l'instant, mais moi j'ai un truc à vous dire, c'est qu'il y a une annonce vendredi prochain. Après je veux pas non plus vous spoiler un petit peu, on va attendre que la map se génère, hein, que se régénère un petit peu. Il y a une annonce vendredi prochain, après je veux pas vous spoiler hein, les gars, mais voilà, il y a une annonce vendredi prochain quoi. Hein? Ton charbon dans le champi. Mais mec, regarde, il est là mon charbon hein, depuis tout à l'heure. Hein. Il est dans mon inventaire, bro. Est-ce que tu penses faire des mods plus techniques, All the Mob, Ragna Mod, ou c'est juste l'exploration qui t'intéresse hein? En fait, c'est pas spécialement l'exploration qui m'intéresse, c'est surtout le fait de la découverte, que ce soit pas spécialement dur. Oh, les temples aquatiques, ils ont été refaits! Ah ouais, c'est magnifique. Ah ouais, c'est... Ah ouais, c'est trop beau, quoi. C'est exceptionnel. Oh, y'a un bateau! Y'a des bateaux! Mais non, c'est incroyable! Bah tiens! Les amis, moi je tiens à vous dire un truc, c'est que vendredi prochain, vous avez un gros indice là. Oh! Oh! You are a pirate! Find an illager corsair on an illager galley. Ok, donc du coup, y'a des mobs du coup dessus. Y'a des illagers. Ok, donc c'est vraiment des pirates ici, ok. Est-ce qu'on irait pas éventuellement. Attends, déjà, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non? Ah, m'a fait trop peur! Je m'y attendais pas du tout à avoir le mining fatigue. Bon, c'est pas très grave. Mais est-ce qu'on irait pas casser la gueule éventuellement des pirates? Moi, je pense que ça peut être cool en vrai. Attendez, vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? Voilà, on va dodo, hein, directement. Les loots sont OP dans les bateaux. Eh ben, on va aller voir ça de suite. Comme ça, ça nous mettra bien, tu vois. Par contre, ça m'a fait peur le mining fatigue là. Ça m'a fait flipper un peu. Ok, on y va. Oh, les amis. Il y a des coffres dans le bateau, ouais, on va essayer d'aller voir ça. Hein. Par contre, il y a les cachalots de ces morts là qui me font peur aussi. Vous êtes sûr qu'il m'agresse pas là, le frérot, hein? On est d'accord, hein? Vous êtes sûr qu'il m'agresse pas? Il me shoot là? Ah, il sait que je suis là, ils savent que je suis là. Putain, regardez tous les mobs qu'il y a là. En vrai, c'est pas un peu risqué d'y aller là? En vrai. Bon, je pense pas non plus, mais quand même. Hein. Attendez. Si je tue tous les mobs avant d'y aller, en vrai. Fais gaffe, ils font mal dans le bateau. Ouais, c'est ça ce que je me dis. C'est quoi, je vais en profiter pour en tuer quelques-uns là, avant d'y aller. Parce que de toute façon, j'ai mining fatigue, donc je ne peux pas vraiment me permettre d'avancer plus que ça. Ils veulent pas venir les frérots là? Ah ouais, ils sont prêts à me shooter et tout. En plus, ils ont... Mais oui, c'est des flèches de force qu'ils ont là. Ouais, c'est chaud, ils ont des flèches de force en fait là. C'est ça, non? Je les ai récupérées dans le carquois les flèches ou Ah non, je les ai pas récupérées. C'est quoi multidisciplinaire? Ok, j'ai eu un lingot de silver, je sais pas pourquoi mais Parce qu'en fait le truc c'est qu'il faudrait peut-être que je passe par l'intérieur du bateau à mon avis, non? Je pense hein. Tu sortiras la vidéo speedrun Pokémon? Oui, c'est possible, ouais. Si j'y pense, si j'ai le temps. Il y a des spawners dans le bateau en plus hein. Ah, j'ai peut-être pas le stuff pour y aller. Il y a vraiment des spawners dans le bateau par contre ou c'est genre juste l'équipage que j'ai à tuer là et c'est bon? Ah. Les dispensers. Ouais, mais regarde, y'a rien dans les dispensers. En fait, je veux bien aller dans la soute, mais je pourrais y aller que dans 2 minutes 50, les amis. Parce que regardez, là, j'ai mining fatigue encore, donc je ne peux pas y aller pour l'instant. Dans 2 minutes 50, je pourrais y aller, donc peut-être que dans 2 minutes 50, on essaiera de rentrer. Je vais essayer de faire le tour du bateau pour voir si je peux pas trouver quelque chose d'intéressant de l'autre côté. Ah, y'a quelque chose ici. Attends. Vous savez quoi? On va rentrer par un autre côté. On va regarder de ce côté-là. Parce que si je peux trouver l'emplacement où il peut y avoir des spawners ou des trucs comme ça, c'est au moins pour m'informer de...
de ce que le bateau contient, quoi, on va dire. En fait, je peux très bien rentrer par là, en fait, là, en gros. Et hop. Voilà. Bah voilà. Fin, non? Bah voilà, fin. Fin du game, c'est bon? On a fini, non? C'est bon, c'est fini, là. Voilà. Bon, en vrai, OP, plus ou moins, quand même. Hein. On m'a dit, les loots sont OP, ouais. Enfin, ah, mais après, c'est, il doit y avoir autre chose encore, non? Il y avait que ça, en vrai? Il y a que ça, là-dedans, ou... Il y a rien de plus, là. Il y a des barrels dans le bateau. Ouais, mais bon. C'est un peu risqué, là, d'y aller, quand même. Hein. Oh, et puis, il y a le oh, il y a le temple aquatique à 2 cm qui fait du bruit. Ah, dans la soute. Hein. Ah, il faudrait que je descende par-dessous, du coup, ça. Parce que le problème, c'est que là, je peux pas y aller, en fait. Faut que j'attende que le manique fatigue passe. Et on pourra y aller après. Tu peux lire mon pseudo STP? Mais oui, mais Alexandre94435. Oui, je peux le lire, effectivement, oui. Effectivement, ouais. Ton charbon, je l'ai récupéré, vous inquiétez pas. J'en ai laissé que 5 parce que j'ai envie de garder un petit livre. Tu sais lire? Non, mec, j'apprends. Ok, 50 secondes et on peut essayer d'aller mourir, en vrai. Bon, en fait, j'ai pas une quête à faire, là, en vrai, avec ça, là. Il y a 100% une quête à faire, non? En vrai, non? Vous pensez que quand je finis ces quêtes-là, ça en débloque d'autres, des quêtes, après? Moi, je pense que oui, quand même. Il y a tellement de dimensions à aller et tout. Non mais vous savez, je pense que je vais aller me préparer un stuff après, là, à mon avis. Je vais aller me préparer un stuff et on va avancer parce que là, c'est chaud, là. Le charbon dans le coffre. Alors, pour la 150e fois, les amis, j'ai mon stack de charbon qui est là et je vais pas en prendre plus. Donc bon. Ouais. Mais bon. On va aller voir, hein, de toute façon. Allez, 10 secondes. Salut le foufou, je suis un viewer de l'ombre, je suis là depuis 21, depuis quoi? Depuis 2021, tu voulais dire? Merci. En vrai, le bruit des mobs est bien plus fort que ta propre voix. Ouais, je me doute, attends. Ça va mieux là, non? Je me doute, hein. Oh là! Oh, ça va, sinon, en vrai, ça va, ça va. En vrai, ils font pas si mal que ça, honnêtement. Est-ce que je peux y aller en creusant par là, en vrai? Ah! Ok, d'accord. Ok, je comprends. Bon, l'avantage, c'est qu'en fait, on a creusé pile dessus, quoi. L'avantage, c'est qu'on a creusé pile sur le coffre. Question bête, mais ça sert à quoi de faire les quêtes? Bah, juste, ça te donne des loots, ça te donne des trucs un peu rares. Et ça permet d'avancer le jeu, quoi. T'as pris un cœur quand même. Ouais, mais un cœur, c'est rien, honnêtement. Hein. Bon, l'avantage, c'est qu'en vrai, on a trouvé le coffre assez rapidement, donc c'est cool, hein. Ok, c'est le seul spawner qu'il y avait? Y'a pas d'autres spawners là? Ok, il en reste qu'un. Ok, et est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes à part ça là? 16 bouquins, c'est pas mal hein, quand même. 16 bouquins, ça nous met bien. Est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants ou on a vraiment fait le tour là? Y'a des émeraudes. C'est le seul loot que je peux récupérer de plus ici? Ça a l'air d'être le dernier loot, hein, je pense, non? S'il y en a d'autres. Hein. Faudrait vraiment que j'explore, en fait. Faudrait que je bute les pillagers, quoi. Mais le problème, c'est que là... Y'en a d'autres, du coup, ou c'est tout, là? Les gars, moi, j'ai l'impression que c'est tout, non? Aïe. Putain, il arrive à me viser super bien, par contre. J'ai l'impression que c'est tout, hein, en vrai, non? Après, peut-être qu'il y en a... Peut-être au-dessus. Y'en a peut-être au-dessus, en fait. Faut peut-être que je tue les pillagers, là, en vrai. Oh, sa mère. Ils sont tellement nombreux, mec. Comment je fais pour y aller, là? J'ai pas d'arc, moi. Comment je fais pour y aller, là? J'ai pas d'arc, hein. En fait, le truc, c'est que si j'avais des fils et un arc, j'irais sans problème, mais j'ai déposé tous mes fils dans le coffre, en fait, là. Y'en a plein. De quoi, des coffres, encore? Ou d'autres trucs intéressants à récupérer? Merde. Parce que là, le truc, c'est qu'en vrai, à part d'aller buter les pillagers, je vois pas trop comment je peux... Oh, y'a des barils, quoi. Y'a des barrels, hein. En vrai, le problème, c'est qu'en 2-3 coups, je suis mort, hein, en fait. C'est ça, le souci. Et voilà. En vrai, j'essaie de faire en sorte qu'ils se tirent dessus eux-mêmes, là. Voilà. Regardez, ils se tirent dessus eux-mêmes, les trop cons, là.
Dans le modpack, tu peux pas craft un boomerang. Si, ça doit être possible, je pense. Va voir. Boomerang. Boomerang, on peut crafter un boomerang avec un paper. Ah bah attendez. Bah attendez, excellent. Attendez. On va tester tout de suite. Merci pour ces euros de plaisir. Alors, comment ça marche? Malaise un peu, non? C'est malaisant là, non? Putain, le malaise. Ok. Oh, attends, on va attendre. Ok, ouf. C'est quoi cette tour de fou? Ok, c'est bon. Parfait, les gars, parfait. Ouf. Bon, c'était un peu le malaisant, le boomerang, en vrai. Hein. C'est un bâton, pas un boomerang. Vas-y, écrit boomerang. Ah oui, mais après, il est pas revenu, par contre. Hein. Ça, ouais. Freeze boom. J'ai envie d'essayer ça, ça a l'air incroyable. Bon, par contre, il y a plein de trucs, là. Wouah, la gunpowder qu'on a. Ah ouais, ça met bien, ça, hein, par contre. Il hein. Y a plein de TNT aussi, OMG. OMG, on va tout faire péter en légende. Aïe, mais... Eh, mais ils font trop de dégâts ces mobs, hein. C'est vraiment une dinguerie. Hein. C'est abusé les dégâts qu'ils font. Vas-y, tire-moi dessus là, mon frérot. Ok. Ok, c'est bon. Parfait. C'est bon. C'est bon, on a gagné. Ouf! Bon, ça valait le coup de prendre le temps de faire les choses bien quand même, histoire de pas clamser. Ouais, ça va, il bouge pas. Heureusement qu'il bouge pas, hein, parce que sinon c'est la sauce. Hein. Oh, par contre, tout ce qu'il y a ici, c'est quoi? C'est la bouffe, hein? Ah oui, effectivement, il y a plein de choses, hein, quand même. Il hein. Y a plein de... Il y a plein de bouffe. Je sais pas à quoi ça sert tous ces trucs, mais il y a énormément de choses. Il hein. Y a tellement de types de bouffe différents dans le jeu. Regardez-moi ça, là. On a du poisson, du cookie de perche, on a tellement de trucs. Mais moi, j'ai pas assez de place hein, pour récupérer tout ça. Hein. Par contre, j'ai déposé mon charbon comme un petit con. J'ai pas assez de place hein, pour tout ça, moi. Par contre, je pense que la gunpowder, on va vraiment la récupérer. Vous savez pourquoi? Pour quand j'aurai les Elytras, notamment. Ça, ça va me faire gagner un temps monstrueux quand j'aurai les Elytras. Le fait de me balader avec autant de trucs. Hein. Ouais, du bois, on s'en fiche un petit peu. Est-ce que j'ai raté encore de trucs ou pas? Mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour, là, hein, en vrai. Hein. J'ai l'impression qu'on a fait le tour, hein, en vrai. On a rien d'autre de plus. Hein. Bon, c'était sympa, quand même. C'était sympathique, mais bon... En vrai, vous savez ce qu'on va faire là? Regardez. On va faire ça, ça, ça. Hop, on va les péter. Et on va faire un arc. Parce que vu que j'ai énormément de flèches, hein, puis je me pose des questions par rapport aux arcs. Je me demande, est-ce que les arcs fonctionnent? Eh oui, du coup, ça va chercher directement dans le carquois. Ça, c'est bien foutu quand même. Hein, du coup. Eh ouais. Ah, c'est bien fait ça. Bah ouais. Ah, c'est bien fait. Du coup, ça va chercher directement dans le carquois. C'est cool ça. Parfait, ok bah c'est bon j'ai tout. Est-ce qu'il y a d'autres trucs inutiles là qu'on peut laisser là les amis? Bon le poulet hein. Il faut que je fasse attention, j'ai plus beaucoup de bouffe hein, quand même en vrai hein. Fais tout péter avec la TNT. En vrai j'ai envie de voir ce qui se passe hein. Je veux voir si l'animation d'une de leurs TNT elle a... Enfin c'est une animation spéciale ou pas. Malaise. Non c'est juste une... c'est juste un skin de TNT normal quoi. Ok, d'accord. Non, c'était juste un skin de TNT, rien de bien fou quoi. Ok, bon par contre, honnêtement, ça nous a mis extrêmement bien. Hein. Quand j'aurai les Elytras, je vais pouvoir voler à l'infini. Donc là, ça me régale. Hein. Là, pour le coup, ça me met vraiment bien quoi. Bon bah écoutez, c'était cool. C'était cool. Je sais pas si en vrai, je dois chercher d'autres trucs ou pas là. Je sais pas trop quoi faire, honnêtement là. Il y avait mon bateau qui était là-bas. Je pense que je vais avancer encore un petit peu. Et puis voilà, hein. Regarde pour l'arc dans ton inventaire. Ah ouais, t'as raison, fais voir. Non mais je pense que ça c'est d'autres types d'arcs en fait. Vous savez, je pense que c'est genre d'autres arcs. En mode des trucs qui viennent plus tard. Ou d'autres trucs qu'on craft mais plus tard à mon avis. Ça doit être ça je pense. Donc bon, t'as de la paille pour faire du pain. Ah c'est vrai que j'avais de la paille. Ouais vas-y t'as raison. Tu sais quoi? T'as raison, on va pas... On va aller faire avec la paille, il y avait de la paille, il y avait des bottes de paille. On va aller les récupérer. T'as raison. Non, vous avez raison. Tout ce qui est mis à notre disposition, on va l'utiliser. T'as bien raison. On va en profiter parce qu'effectivement après je risque pas forcément d'en retrouver. Donc bon je récupérerai ça après, c'est pas grave. Hop, voilà. C'est tout ce qu'il y avait là? Il y avait pas plus de bottes de paille? Si, il y en avait plus quand même. Parfait. Comme ça j'essaie de stacker un petit peu la bouffe parce que tant que j'ai pas de backpack pour l'instant c'est compliqué d'avoir de la bouffe. Hein.
Par contre, vous trouvez pas que les pillagers ils vivaient un peu dans une dans des conditions un peu précaires là? Vous avez vu le nombre de bouffe qu'ils avaient? Ils avaient quasiment rien. Leurs conditions c'était. C'est pas. C'est... Eh ben. Conditions difficiles pour les pirates visiblement. Hein. Allez, hop, rendez-moi ça là. Fais des flèches avec le silex dans le coffre, non, vite fait. Mais vous êtes trop intelligent en fait, hein. C'est ça votre problème, hein. Vous êtes trop smart en fait, hein. Vous savez ça? Vous êtes trop smart, hein, je vous le dis. Vous êtes trop smart. Il y avait encore du silex ou pas qui traînait quelque part là? Comme quoi, hé, ça fait du bien d'avoir un chat qui me donne des petites astuces quand même, à droite à gauche, hein. On va pas se mentir. Parce que si je faisais le jeu tout seul, j'avoue que ce serait plus compliqué. Mais vu que vous êtes là, eh ben, le jeu est de suite plus facile, hein, parce que vous êtes très intelligent comparé à moi. Vous avez vu comment je vous sauce? Oh! C'est comme les trucs dans RL Craft, ça. Dans RL Craft, il faut faire ça pour commencer le jeu. Vous avez vu comment je vous sauce un peu? Non, c'est terrible. Hein. Il est où mon carquois? Hop là! Et voilà, plein de flèches. Hein. Ça fait plaisir. Ça régale. Et puis c'est bien parce que du coup, ça me fait une place supplémentaire. Ça, c'est vraiment sympa, ça. Non, c'est pas ça que je voulais. Tège. Je vais récupérer mes petites émeraudes. Voilà, je pense qu'on est bien là. C'est quoi? Hop, on va transformer tout ça. Ça me fait un inventaire, une place de plus. Nickel. Hop! Il serait déjà mort. Non, je sais pas si je serais déjà mort, mais bah, y a des trucs en fait qui me viennent pas naturellement, donc voilà. Hein. Mais non, je plaisante, Eragon, t'inquiète. Hein. Salut Yashiko, merci Loki aussi pour le Prime. J'arrive en retard, c'est quoi le concept? Eh bien Yashiko, le concept il est très simple, c'est juste de survivre en hardcore et de faire un petit peu le tour du modpack. C'est une aventure toute simple, on essaie de découvrir un petit peu le modpack dans son intégralité. Et puis on discute avec le chat, on discute un petit peu de tout quoi. Puis je connais pas le modpack, donc en vrai à tout moment on se fait ouvrir en deux. Donc voilà, c'est plus un truc chill entre nous et puis ça régale. Et merci DJ Pouquet, je passe juste pour fêter mon resub. Merci pour les 16 mois de sub, ça fait plaisir. Ping le temple en vrai. Ouais, en vrai, t'as pas tort en vrai. Attends, je peux ouvrir la map ou pas? Attendez. Contrôle, il doit bien y avoir une map pour la mettre en plus grande, non? Xero minimap. Eh, mais après, vu que c'est la minimap, je sais pas si. Si je peux la mettre en plus grand. Ah, mais si, regardez. Open world map. Ok, ah, nickel. Et du coup, le temple, il était... C'est ça, le temple? Ouais, c'est ça. C'est ça, le temple. Ouais, en plus, ça se voit. Hein. Comment je fais, là? Create new waypoint. Temple de la mer. Ok, on va le mettre en bleu. Confirme. Ok, bah voilà, nickel. Hein. Parfait. Salut, Luciole! Effectivement, ça fait un bail. Salut! Attends, ça fait plaisir de voir des anciens qui reviennent un petit peu là, comment ça va? Tu as ramené des potes parfois pour souffrir avec toi? De quoi? Comment ça? Sur quoi? C'est pas toi qui disais hier qu'il était risqué de télécharger des modpacks en ce moment, le problème est réglé. Ouais, alors le problème n'est pas réglé, mais en fait pour Better MC ils l'ont corrigé ce matin, enfin ou hier soir quoi. Donc du coup aujourd'hui on peut le télécharger sans trop de problèmes, mais effectivement il y a des malwares dans certains modpacks, mais pour Better Minecraft ça a été corrigé ce matin. Donc voilà! Je suis dans la catégorie ancien et tout, bah oui, bah bien sûr. Ouais, je pense que de toute façon toute personne qui suit les lives depuis 1-2 ans est considérée comme ancien entre guillemets, hein, mais bon. Ouais, j'ai vu qu'il y avait quelque chose au-dessus de ma tête, ouais, il y avait une sorte d'île volante, on ira voir un petit peu plus tard je pense. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais regardez-moi ce petit truc en face là qui a l'air d'être super accueillant et super mystérieux par la même occasion d'ailleurs. Ça me fait un petit peu peur tout ça là. D'ailleurs depuis tout à l'heure je suis pas sur la bonne scène et personne m'a rien dit, hein. C'est fou, j'avais préparé une scène toute prête pour le jeu et j'étais même pas sur la bonne scène mais bon. Mais j'ai le chignon, merci mec, c'est gentil. Alors, encore des coffres, mais décidément, mais je suis... On me régale, décidément. Ah, toi, tu me donnes des émeraudes, toi. Toi, ça se voit, tu as envie de me donner des trucs, là. Fisherman, qu'est-ce que t'as à me régaler? Ok, bon, il a rien à me donner, en fait. Ouais, un peu radin, le frérot, quand même, là. Un petit peu radin, quand même. Un petit peu radin, là. En vrai le poisson, il a tellement de poissons que je vais le récupérer, hein. Non mais en vrai le poisson on va pas faire le difficile, hein. En vrai les têtes ça sert à quelque chose ou pas les têtes, honnêtement je sais pas, hein. Skeleton lanterne, oh ça par contre c'est stylé ça. Ah ouais non ça c'est stylé, pour la déco alors ça c'est méga, méga stylé, hein. Il aurait vraiment fallu qu'on fasse un serveur avec tout le monde je pense. Et ça pareil ça fait... Having a witch kill name, snow golem will drop the player name matching the golem's name. Ok, et c'est tout? Ça sert absolument à rien sinon? Mais elle sert à rien en fait, c'est ça non? Radin, c'est toi qui passes lui voler tout ce qu'il a dans ses coffres, ça a rien lui donner, bah oui. T'as des objectifs? Essentiellement faire le tour des dimensions, finir le jeu, etc. quoi. Donc ouais, essayer de finir le jeu déjà.
Comment on regarde le craft des items sans chercher dans le J? Tu passes la souris sur l'item et tu appuies sur la touche U. Et là, tu vois tous les crafts que l'item propose. Dans l'idée, c'est ça. En vrai, je veux aussi prendre le poisson cuit, mais voilà. Oh, Unbreaking 3. Je sais pas quoi virer là dans mon inventaire, les amis, qui me sert à rien. Genre vraiment, la looting 2, en vrai, elle me sert à que dalle. À chaque fois, je l'utilise jamais. Bon, en vrai, ça, on en a pas mal. La petite fishing rod. Bon, on va prendre la bouffe. Hein. On va s'occuper de la bouffe pour l'instant. La fishing rod, je pourrais toujours la crafter plus tard. C'est pas un souci. Bon, en tout cas, merci frérot pour tout ce que tu m'as apporté. En échange, je vais te donner... Bah, je lui ai donné... En vrai, vous trouvez pas que j'ai été assez généreux avec lui déjà? Je lui ai donné quand même pas mal de choses, en vrai, vous trouvez pas? Non, moi, je trouve que, honnêtement, je lui ai donné quand même de la gunpowder. Hein. Au bout d'un moment, faut pas non plus... Hein, faut pas abuser. Non, vraiment, vous trouvez pas... J'ai été assez généreux ou pas? Le shader, c'est celui-là, mon ami, regarde. Hein. Je te le donne, si tu veux. Le shader, c'est le complémentaire shader. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'à votre avis, j'ai été assez généreux avec lui ou non? À votre avis. Parce que moi, je trouve que je l'ai assez. Vraiment. Regarde la map. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est quoi? Il y a une petite terre là-bas. On va aller voir ça après, là. Moi, je trouve que j'ai été assez généreux, honnêtement. Ok. Bon. Je vais être encore plus généreux avec lui, maintenant. Parce que, honnêtement, aujourd'hui, j'ai envie de faire preuve de générosité. Honnêtement. Ouais, c'est mon premier live dessus, ouais. J'ai envie de faire preuve de générosité. Et je me sens généreux, aujourd'hui. Je me sens généreux, voilà. Je me sens généreux envers lui. Donc je le remercie. À ma manière. Bon bah... F hein. F pour lui. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Regardez, on a trouvé une sorte de petite structure. Bon après on a une définition différente de la générosité quand même hein, mais bon hein. Rip Delbert, F pour Delbert. C'est super joli. Salut BG, ça fait 3 ans que je te regarde sur YouTube. J'essaye de passer de temps en temps sur les lives. Merci Blackside, c'est trop gentil, merci beaucoup. Ça fait super plaisir ce que tu me dis là. Merci beaucoup. Waouh, c'est beau, en vrai j'ai envie d'aller voir ce que c'est ça. On va aller voir. On va aller voir, allez hop, laissez-moi rentrer les amis ici là. Yo tout le monde. Oh, mais c'est magnifique tout ça. Je peux en faire quelque chose de ça? Oh oui. Mais c'est que c'est magnifique tout ça. Tous ces petits machins là. Ah mais en fait ok. Ah mais j'avais pas vu en fait hein. Ok, en fait on est sous l'eau en fait. Ok. Ils me touchent de là ou pas? Ils peuvent pas me toucher de là. Non c'est bon. Ah. Ah. Les dégâts. Ah les dégâts. Ah les dégâts, les dégâts, les dégâts. Ah 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 ah. Dis donc. C'est que ça pique un petit peu tout ça là. Alors le problème c'est que je suis allé dans une zone où visiblement j'aurais peut-être pas dû aller là. J'aurais peut-être pas dû aller par ici, vous voyez. J'aime bien les vidéos mais l'ambiance des lives, merci beaucoup Tazoufa et merci beaucoup. C'est super gentil, vraiment. C'est ce genre de message qui fait vraiment chaud au cœur. Parce qu'en fait, il y a que des compliments dans ton message, tu vois. Il y a pas de point négatif dans ton message. Tu dis j'aime les vidéos et j'aime les lives. Ah mais c'est lui qui m'a fait super mal, il m'a tapé avec sa hache. Hein. En vrai, je pense que je peux tous les tuer, non? Vous pensez pas? Regardez, si je me place là comme ça là. Là, ils peuvent pas me toucher, on est d'accord. Là, il y a aucun moyen qu'ils me touchent. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appuyé sur une touche qu'il fallait pas. Ah non, j'ai juste rechargé les chunks. C'est dangereux ici, tu devrais bouger. Bah ouais, mais attends, mais j'ai envie d'explorer ça moi. Oh sa mère. Oh la Notch Apple. Oh la Notch Apple qui régale. Alors par contre comment je vais la récupérer ça je ne sais pas. Mais la Notch Apple les amis, elle m'a régalé là. Attendez, j'attends qu'ils viennent. Ah oui, dès que je suis pas dans l'eau ils veulent pas venir, vous avez vu? Regardez. Il y a que dès que je suis dans l'eau qu'ils viennent. Mais c'est facile de les tuer du coup. Je les amène sur terre et voilà. Ah ouais, mais c'est trop bizarre, vous avez vu comment ils font? Oh là là, par contre là ils remontent vite hein. Là ils me font peur là. Enfin facile de les tuer, j'irai pas jusque là, mais en vrai là sinon je fais comme ça en vrai. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans cette zone ici, je suis obligé de la faire les gars. Je suis obligé de la faire. Hein. Oh sa mère, regardez comme ils remontent vite. Regardez.
Regardez combien vont vite hein. Dès que je mets les pieds dans l'eau, vous avez vu? Ouais, c'est... Mais c'est bizarre parce que tout à l'heure, quand j'étais sur le bloc, ils voulaient venir me tabasser la gueule et maintenant ils veulent plus. Je comprends pas, c'est quoi la différence entre avant et maintenant? C'est limite flippant. Un peu, ouais, quand même. Bon, en vrai, ça va, ils nagent à deux à l'heure, donc en vrai, on peut se faire plaisir, là. On peut les éliminer sans trop de soucis, je pense. Ah, par contre, j'avais pas vu ma vie, là. Enfin, mes bulles d'eau. Bon, on va les tuer, je pense. Honnêtement, à mon avis, ça m'étonnerait qu'on soit dans la sauce. Mais il y en a tellement, par contre, mec. C'est quoi le nombre de dronettes qu'il y a? Mais il y a des spawners, non, en vrai. Je pense qu'il y a des spawners. Il y en a tellement. C'est quoi ce délire? Vous avez vu le nombre qu'il y en a? Ah, le jour, il t'attaque pas sur Terre. Mais oui, non, mais c'est sûr qu'il y a des spawners, regardez. Ça continue de spawner en boucle. Hein. C'est sûr qu'il y a des spawners, regardez, il y en a 700 là. Il y en a 700 000 qui continuent de spawner. C'est sûr. Non, c'est sûr. Regarde la minimap. C'est affiché sur la minimap. Par contre, ça a l'air d'être une sorte de... Ouais, ça a l'air d'être une sorte de pareil, de donjon un peu spécial, là. Mais moi, ce que j'aimerais bien faire, là, c'est venir... Oh ouais, non, mais tous les mobs qu'il y a. Ok, d'accord, ouais, non. Non, c'est sûr qu'il y a des spawners. Comment je peux faire pour récupérer, par contre, du coup, là? Hop, voilà. Ça, on l'a récupéré, déjà, pour commencer. Casse vite les chests et peut-être... Non, mais là, c'est bon, j'ai eu la Notch Apple, c'est ce que je voulais. Maintenant, il y a un deuxième coffre que j'aimerais aller check là-bas. Ok, il y avait de l'or. Ah ouais, il y en a des mobs là, mon gars. Il y en a des mobs. Hein. Est-ce que, pour ceux qui connaissent le modpack, il y a d'autres choses intéressantes à part ces deux trucs-là, là, à part ces coffres-là, éventuellement? Parce que là, il y a deux coffres. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes dans cette zone ou c'est vraiment les deux seuls trucs vraiment importants de la zone, là? Va dans les tunnels et enferme-les. Ah mais du coup ça veut dire qu'après il faut que je refasse le tour. Ah mais là je peux pas aller check le coffre là. Quel enfer. Nether gold. Ouais ok. Mais les spawners ils sont en dessous non? Ça sent les spawners en dessous en fait. Ouais. Salut Nimbus, ça vaut quoi? Merci Ultio. Merci beaucoup pour les 10 mois de sub. Bon écoutez, on va laisser le coffre là, je vais quand même aller voir de l'autre côté pour voir s'il n'y a pas des trucs intéressants ou pas. Mais j'ai l'impression qu'en fait c'est... Oh mais il y a des spawners de partout en fait. Et vous savez quoi les gars, j'ai vraiment l'impression qu'en fait c'est genre... En fait il y a plusieurs... Je sais pas s'il y a une ou plusieurs grandes salles, mais en tout cas cet endroit est vraiment stylé hein, pour le coup. Casse le coffre, tu récupères le contenu à la surface. Ouais au pire sinon on peut faire ça. Hein. Oh sa mère. Alors cet endroit par contre là... Celui-là, j'avoue que... Celui-là, il picoute un peu, hein, celui-là. Parce que là, le spawner pour le casser, celui-là... Ça va être un petit peu long. Ah, en plus, il s'est mis à sprinter, mon perso. C'est mort, je peux pas le péter, lui. C'est mort, je ne peux pas le péter. De toute façon, j'ai l'impression que je suis au bout du chemin, là. Hache, premier coffre. Premier coffre, ouais, c'est vrai, je peux aller faire ça, ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'éventuellement, je peux mettre un coup de hache sur les coffres, sinon, hein. Hache custom? Attends, dans quoi? Dans le coffre... Dans le premier coffre qui est là-bas du milieu? C'est ça que vous voulez me dire depuis tout à l'heure? J'ai pas compris ce que vous voulez me dire là. Quand vous dites H custom là, c'est dans le coffre qui est là? Ici? Je me rends pas compte. Enfin j'ai pas très bien compris. On va voir. Effectivement ouais. Effectivement ouais. Bien vu. Effectivement le chat, bien vu. Bien vu, c'est quoi ça en fait? Warped Axe. On va regarder en détail. Attendez, je vais me placer dans une autre salle là où il y a pas les mobs. Bien vu! Merci chat! Merci, merci à vous. Eh, c'est méga stylé cet endroit. Je sais pas à quoi ça sert spécialement, mais c'est vraiment trop stylé. Hein. Mais là aussi, il y a un coffre que je ne peux pas atteindre. Eh ouais, il est trop bas lui, je ne peux pas l'avoir. Eh ouais, il est trop bas ce coffre. Hein. Enfin, ce spawner, je voulais dire. Pas le coffre, je voulais dire spawner. Parce que là, le truc, c'est que là, le coffre là, on va pas le chercher, hein, je pense. Hein. En vrai, hein. Fais un casque en écaille de tortue. Pour respirer tu veux dire? Ouais mais le truc c'est que du coup il faut que je trouve des écailles de tortue non? Il y en avait peut-être dans un coffre, c'est peut-être ça que... C'est ça que tu voulais me dire. C'est quand qu'il fait nuit là pour qu'il m'attaque quand même? J'avais pas vu qu'il était là lui.
En vrai, c'est pratique parce que je crois que derrière, ils peuvent pas monter en fait, les frérots. Hein. Sa mère, m'a fait trop peur. M'a fait trop peur. Par contre, les dégâts, c'est violent quand même. Hein. Non, en vrai, les dégâts des mobs là, ça plaisante pas beaucoup, je trouve, hein, quand même. Hein. Honnêtement. Voir les dégâts. Ah, dans le deuxième coffre, il y avait un casque en écaille de tortue. C'est vrai? Je sais pas. Bon, attendez, vous savez quoi? Oh, mais il y a des mobs de partout. En plus, ils ont tous des haches. Hein. Quel enfer. Hein. Ils ont tous des haches et tout. Mais moi, j'ai trop peur là, les gars. Vraiment. Hein. En fait, ça m'a l'air d'être un bourbier ce truc. Vraiment. Hein. Ça m'a l'air d'être un bourbier, mais un gros bourbier, vraiment. Hein. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dans le coffre et me barrer. Ça a respawné encore. Putain. Ouais, ça m'a l'air d'être un giga bourbier quand même. Hein. Reviens avec du stuff, comme ça t'auras plein de trucs à faire. Ouais, on va noter en vrai. Je vais le noter sur la minimap là. Je vais faire... hop. Je vais faire create a weapon. Temple aquatique bizarre. On va noter. Je vais mettre donjon aquatique, pas temple. Comme ça, je ferai la différence. Ouais, c'est bizarre un peu ici. Mais en fait, le truc, c'est que je me dis qu'il y a sûrement d'autres choses qui demandent d'avoir un peu plus de stuff. Hein. C'est fou à quel point il faut du stuff dans le jeu. Genre vraiment, j'ai l'impression que si t'as pas de stuff, tu ne fais rien, quoi. C'est incroyable, quoi. À l'aide. C'est incroyable, quand même. Genre si t'as pas de stuff, tu fais rien du tout quoi, c'est une dinguerie. Hein. Bon, j'explore encore un tout petit peu. Mon objectif là, ça serait de retrouver un village avec un waypoint pour me téléporter à l'autre. Hein. Regarde le coffre, non, je prends pas le risque en vrai. Je prends pas le risque parce que j'ai pas de stuff. Vous avez vu que le moindre coup de hache, je me mets midlife. Hein. Donc non. Alors fais voir un petit peu cette hache. Donc du coup là on a, si on compare à une autre épée par exemple, Seeker 1.6 du coup, je sais pas à quoi ça correspond le deuxième là. C'est quoi le deuxième truc là, le 1.6 qu'il y a là? Hold shift. Téléporte the user. What? Ah, c'est la vitesse d'attaque. Ok, donc là c'est méga long. Oh, ça a l'air intéressant par contre. Là, vous avez vu les statistiques de la hache? Elle a l'air méga intéressante. Il y a une sorte de système de téléportation. Ça a l'air vraiment intéressant pour le coup. C'est la vitesse d'attaque. Ok, ouais. Clic droit, tu lances ta hache. Et du coup, quand je lance ma hache, ça me téléporte sur le mob. C'est ça l'idée? Ça a l'air incroyable, du coup. Elle a l'air vraiment stylée, cette hache. Ok. Plus c'est bas et mieux c'est. De quoi? La vitesse d'attaque ou... Ça, là? Ça TP là où tu la jettes? Bah, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Ça va te TP à l'endroit où la hache termine son parcours si je ne me trompe pas. En gros, c'est un peu une underpearl portative, quoi. Je me bats avec une underpearl, là, en fait, en soi. Ok, attendez, vous savez quoi? On va essayer. Bon, je vais tester, là. Je vais me mettre sur la terre ferme et on va tester. On a trouvé une petite île, là. En fait, vous savez ce que j'aimerais faire? J'aimerais faire la quête, là, qui est ici, là. De trouver, en fait, ça. Mais du coup, je sais pas comment ça se trouve, en fait. Parce que ça se trouve sur des plages. Mais du coup, c'est quoi? C'est un biome plage? Il faudrait que je trouve un sorte de coffre. En fait, je comprends pas exactement ce dont il s'agit. Parce que là, voilà, je suis sur une beach. Là. Très bizarre comme phrase que je viens de dire là. Enfin, je suis sur un biome plage. Donc du coup, ici, si j'ai bien compris, je devrais avoir la possibilité du coup de trouver un sorte de coffre. On est d'accord, quoi. Quoi?